Imaginons que James Bond soit victime de l'austérité. Votre nouveau téléphone, 007. Merci, Q. Il fait chronomètre, calculatrice, et vous pouvez le synchroniser avec votre boîte mail. Mais je peux pas le synchroniser avec un satellite ? Non. Mais je vous ai mis Tinder. Sacré plan, Q. Imaginons que Travis ait un problème d'élocution. Ça manque, tu peux... Putain. Imaginons que Indiana Jones soit un simple prof d'archéologie. Elle est magnifique. Je dirais deuxième siècle, époque... C'est chiant, en fait, l'archéologie. Mais vous vous attendiez à quoi ? Des nazis ? Un chef de tribu qui vous arrache le cœur à main nue ? Le Saint Graal ? Non, pardon. Et pourquoi pas des extraterrestres aussi ? Bon, allez, passez-moi la brosse. Vous êtes emmerdante. Imaginons que Bruce Wayne ne soit pas tombé dans un puits infesté de chauves-souris, mais dans une taupinière. Je suis Taupe-Man. Eh oh, dis, attends, ouais, mais n'empêche que moi, je suis millionnaire, moi. Oh, les gars, putain, c'est Bruce Wayne ! Taupe-Man, c'est Bruce Wayne ! Mais pas du tout, ça n'a rien à voir. Je ressemble un peu à Bruce Wayne, mais je m'appelle Gérard Lenormand. Alors, tu vois, j'habite Mulhouse, petit pavillon. Allez, y a un trottoir, là, ou pas ? Imaginons que Jason Bourne ait vraiment tout oublié. C'est quoi ça ? Imaginons que Marty McFly soit remonté en 1155. Bonjour. Bonjour. Je vais prendre une vodka martini, s'il vous plaît. Et au shaker, pas à la cuillère. Ok, ça fera 16 euros. Non, en fait, je vais prendre une bière, en fait. Une bière. Demi, hein. Ouais. Imaginons que tu t'abonnes à la chaîne Studio Movie.